Salut, salut! Ça va bien? Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay découverte sur Mad Max, qui vient tout fraîchement de sortir aujourd'hui même. Enfin, je vous dis aujourd'hui, si j'arrive à poster la vidéo ce soir, bien entendu. Sinon, ça fera peut-être 10 ans que le jeu sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. On sait pas. Donc, vous pouvez obtenir le jeu sur Steam pour la somme de 50€, ou bien sur le site htclcd.com pour 16€. C'est le même jeu, c'est le même contenu. Ne me demandez pas pourquoi un tel écart de prix. Je n'en sais rien. J'ai pris celle à 16€ et j'ai laissé de côté celle sur Steam à 50€ pour ceux qui veulent l'acheter, quoi. Normal, il en faut. Donc allez, c'est parti, on lance ça. On va regarder un peu la cinématique. Donc le jeu est en anglais, sous-titré français. À mort, le seigneur Scrotus sera content. Je serai le champion, regardez. Yeah. Ok, d'accord. Donc au passage, vous allez voir ce que donne le jeu au maximum de ses capacités. Puisque là, j'ai mis les options graphiques à fond en 60 images par seconde. Donc ça devrait le faire. Ah ouais, quand même. Il était un tel homme. Un homme qui avait perdu tout. Over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gaston. Oh putain. Il est en train de se faire démonter notre Mad Max là, j'ai l'impression. Ah ouais. Il est sympa son char à lui. Bon. Déjà on sait qui c'est le méchant. Ah ouais, c'est lui, Scrobus. Scrotus, là, je sais pas quoi. Oh la vache. Donc ça promet d'être assez gore. Assez brutal, violent, j'ai envie de dire. Au passage, c'est du PEGI 18, hein. Donc, âme sensible. Allez, ne regardez pas. Oh, genre, ils veulent l'avoir comme ça ou quoi? Ah ouais, oh chaud. Non. Il a défoncé le chien. Et maintenant, il va me défoncer. Ah quoi que... Il a pas l'air de se laisser faire, ce Mad Max, hein. Oh. Oh là là. Attends, genre le Team Pouce, il a une tronçonneuse dans la tête. Warner Bros au passage. Voilà. Avalanche Studio, donc les développeurs c'est Avalanche Studio et c'est édité par Warner Bros. Enfin je sais plus, un truc comme ça. Hein. Donc dans le jeu, on retrouvera bien sûr la patte à Batman, on va dire pour les combats, pour les modes de combat. Et à l'ombre du Mordor. Voilà, pour les combats ce sera du X pour attaquer et Y pour contrer quoi. Sa paix, même si ça signifiait la guerre. Et la guerre arrivait, ok.
D'accord, donc Mad Max, hein, c'est la guerre apocalyptique, ça va être en monde ouvert, il n'y a plus d'essence, tout le monde va vouloir le pétrole. Pour ceux qui connaissent un petit peu les films, c'est ça quoi. Au final, il n'y a plus d'essence et tout le monde cherche, cherche ça quoi. Allez, c'est parti là. On joue ou ça joue pas là? Ah bah voilà, bah impeccable. Lève là notre Mad Max. T'es pas beau là, hein? Allez, on est parti. Donc déjà, graphiquement... Oh, c'est plutôt sympathique, hein. Bon, pas grand-chose d'innovateur, j'ai envie de dire, mais... Graphiquement, on aura vu mieux. Mais on aura vu pire. On va pas se mentir, c'est pas dégueulasse. Voilà. Alors... Utilisez les sources d'eau pour remplir la gourde. Ouais. Moi je veux bien mais... Ok d'accord. Maintenir pour remplir. Impeccable. Ah ouais. Il est sympa lui. J'ai carrément pris l'eau du chien quoi. Normal. Buvez à la gourde pour restaurer la santé de Max. Allez c'est parti. Eh ben impeccable. Le chien a eu du flair jusque là. Faut que je le retrouve. Ok. Oula, c'est le chien qui a braillé comme ça. Oh. Regardez-le lui. Shumboket va te désosser gentiment. Start ablaze by godly plug ignite. Revolution about revolution rejoice. Please, don't kill Chum Bucket. Please. Hey. Ah, c'est juste dommage qu'il parle pas français. C'est vrai que je m'attendais quand même à ce qu'il parle français. Mais bon, après tout, il y a les sous-titres. Tu es le pilote. Ah ouais. Shumboket est ton homme, je suis ton homme. Ok, d'accord. Ouais, il a l'air super fou, le gars. Ah ouais, le chien, il s'est pris la patte dans un piège, je sais pas. Ok. Viens par ici. Allez, vas-y, c'est parti. On va le suivre. Bien gentiment. C'est pas bon, le chien est tout cabossé. Bah ouais, tu m'étonnes. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Ok, d'accord. Donc pareil, hein, je vous laisserai mettre dans les commentaires si ça vous dit pourquoi pas qu'on se fasse un petit live dessus. Moi en tout cas ça me botte bien. Un petit Mad Max, je l'attendais quand même comme jeu. Après faut voir ce qu'il donne. Bon bah pour l'instant il donne plutôt pas mal hein. Alors je rappelle quand même au cas où pour ceux qui me regardent que je suis sur PC hein, toujours. Je joue avec la manette d'Xbox 360. On sait jamais, je le rappelle quand même. Voilà. Oh c'est quoi ça? Deux cartouches de fusil. Oh c'est bon ça. Oh ça c'est... Max peut grimper sur les objets spécialement marqués. Ah oui un peu comme ça quoi. Ah ouais ok d'accord. Ok. Pas mal. Oh lui par contre. Là on va se le faire les gars. Utiliser le fusil machin. Prends ça. Oh la violence mon vieux. Oh bah je crois bien que j'ai usé ma dernière balle. Bah j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Mais c'est pas grave, on va y aller.
Oh putain, je sens que ça va se taper là. Oh ouais, là ça va se taper là. Allez, c'est là qu'on va voir ce qu'il a dans le ventre, notre Mad Max. À utiliser, ouais bah voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Utiliser X pour attaquer avec un ennemi et grand et Y pour parer. Putain, je peine. Riposter avec X après une parade. Ok, ça marche. Allez, vas-y, viens. Alors là, ça tape un peu ou ça tape pas? Ça tape ou ça fait semblant? Oh putain, lui par contre. Oh, comment qu'il m'a. Tiens, salopard va. Oh bah lui, il a peut-être mal quelque chose. Impeccable. Ah, j'ai plus de balles. Ah. Ah ouais, yes, ok. Maintenir X pour les attaques lourdes. Comme ça. Oh, les patates qui se mangent. Oh, regardez ça. C'est d'une violence. Excellent, quoi. Ok, d'accord. Prendre la ferraille. Ah ouais. Mais ça, c'est peut-être bien. Consulter les informations locales pour voir rapidement les objets facultatifs se trouvant sur le lieu. Ok. Ah, les décharges peuvent renfermer des objets utiles, machin. Ok, d'accord. D'accord. Ah bah tiens. Eh ben on va regarder la map. Pétroville. Ouais, ok, d'accord. Donc je suis où moi? C'est moi ça? Non? Je vois pas où je suis. Ah ouais, je suis là. Ah ouais, donc la carte a l'air quand même assez grande. Hein. Ouais, ouais, quand même, ça a l'air assez grande. Par contre, bon, j'ai quand même vu quelques vidéos, bien sûr, avant de jouer. Les vidéos faites par les développeurs et tout. Et j'avais vraiment l'impression que la map était vide. Que c'était vachement désertique. Vous voyez, regardez, par exemple. Bon, bah après, je veux bien que c'est Mad Max, quoi. Voilà, c'est apocalyptique, désertique. C'est un petit peu l'univers du jeu aussi. Mais je sais pas. Je trouvais ça vachement vide. Ah bah tiens, regardez. Maintenir pour prendre le câble. Impeccable. Ça c'est bon ça. Un câble, ça devrait suffire. Ouais, je pense, ouais. Par contre, putain, j'ai plus de santé quoi. Là, ça devient chaud. Hein. C'est critique, j'ai envie de dire. Ce que je vais faire. Ah bah ouais. Oh putain, attends, non! Merde! Bah ouais, bah j'ai pris feu carrément quoi. Je vois une main là, sur mon radar. Dans la petite carte, je vois une main. Donc c'est ici. Ah bah c'était là en fait. C'est bon. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Donc maintenant, du coup, je vais ramener le câble à l'autre là. À mon collègue. Et je pense qu'il va réparer son buggy. Et puis on va pouvoir se casser de là. Hein. Enfin, je sais pas, j'imagine bien quoi. On va essayer. On va aller le voir tout doucement. Donc en tout cas pour l'instant bien hein. Bien, pas déçu. Au niveau de la castagne et tout ça tape bien. Oh putain. C'est qui lui là? Oh attendez. Vous croyez que je peux aller là dedans moi? Bah ouais, ça a l'air. Attends. Je peux pas aller le voir lui là. Ah non, je peux pas. À mon avis, ce sera plus tard. Peut-être plus tard. Bon, on va retourner voir le collègue. Par contre, c'est très sombre. J'ai peut-être un peu trop baissé les gammas, je sais pas. Je verrai ça. On va retourner voir le collègue. Dépêche-toi, le syndicati a une vilaine fuite. J'arrive. Donc en tout cas, bien pour l'instant. Niveau graphique et tout, c'est pas... on a vu mieux graphiquement. On a vu mieux que ça, hein. Franchement, on a vu mieux. Mais, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Franchement, c'est propre. C'est quand même propre. Ça fait un petit peu graphique, comment dire, dessin animé un petit peu, j'ai envie de dire. Donc c'est pas trop mal. Ouais, c'est un petit peu entre ouais graphique dessin animé et réaliste quoi.
Enfin, je sais pas si vous me comprenez bien, même moi des fois je me comprends pas très bien. Ah! Voilà, on va se prendre le buggy, je pense. Easy, dog. Voilà, yes. Attends, c'est lui ou c'est moi qui conduis? Oh putain, c'est bon ça, c'est moi qui conduis. Oh, c'est bon ça. D'entrée de jeu, c'est moi qui conduis, les gars. Pff, putain, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, vous inquiétez pas. Je pilote, tranquille. Je gère. Enfin, j'essaye de gérer, les gars. Attends, je regarde un peu. Ah, petit coup de frein à main. Ah, c'est même pas... Oh, putain. Je lui ai dit que c'est son buggy, moi, non? Attends. Y a pas un frein à main, là? Non, ok. Donc ça... Ah ouais, ça, c'est pour donner des coups sur les côtés. Oh, putain. Alors, attendez, hein. C'est pas que ça se contrôle mal, hein. C'est moi qui me chie complètement dessus, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. On va essayer de gérer un peu plus, là. Voilà, tac. Impeccable. Vous voyez que j'y suis arrivé, alors. Impeccable. Et je vois qu'il y avait une petite jauge d'essence sur le buggy. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir trouver de l'essence. On peut voir le champ, machin. Ah, c'est quand... Ah, si, c'est quand même pas mal foutu, hein, graphiquement. Avec les effets de lumière et tout. Bon, vous me direz maintenant, tous les jeux qui sortent... voilà, hein, faut au minimum, minimum ça, quoi. Par ici, viens voir. J'arrive. Tu vois, c'est là que les gros méchants squattent et des os débouchés infidèles. Ok, d'accord. Scrotus, il est encore là, lui? Bah attends, mais c'est pas celui à qui j'ai foutu la tronçonneuse dans la tête au début? C'est un big box qui vient de Petroville. Scrotus garde toujours les meilleures pièces pour lui, mais il est pas là. Je vois pas son Land Mover. Land Mover. Ok, d'accord. C'est un peu comme le Land Rover, mais ils ont pas voulu citer de marque, je pense. Ta machine noire est en pièces détachées, elle sera plus jamais pareille. Ok, d'accord. Oh ouais, ça a l'air chaud là-dedans. En tout cas, ça a l'air bon, les gars. Ça a l'air bon. Plus solide que les couilles d'un iguane. Il a de bonnes références, lui, quand même. Ça va, hein. Moi, faut pas qu'on nous... Ok, je vais t'emmener à mon tabernacle. Et quand tu verras ce que j'ai... Ok, d'accord. Ça marche. Mission de l'histoire terminée. L'homme sauvage. Ma voiture envolée réduite en ferraille par les warboys de Scrotus. Il m'en faut une autre. Il me le faut vite. Ce mécano tordu est dérangé. Pourrait-il m'aider? Ça, je ne sais pas. Ok, d'accord. Utiliser les jumelles pour observer les lieux à distance. Oh yes, c'est bon ça. Attendez. Attends. Ranger les jumelles. C'est où déjà? Bah, ils sont partis tout ce petit monde là. Ah non. Bah si. Bah tout le monde est parti, les gars. C'est pas possible. Ah non, il y a du monde là-bas. Ah ouais, si si, il y a Scrotus et sa bande. Oh, il y a moyen de se les faire et tout, hein. Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Ok. En tout cas, putain, le jeu il promet, hein. Franchement, ça promet d'un bon jeu, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je reconduis là. Oh yes. On va aller là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au point. Et je pense qu'après, on va s'arrêter ici pour le test découverte. Oh, c'était plus une découverte qu'un test, hein. Hop, ok. Attendez, je vais essayer. Ouais, regardez, c'est quand même, hein. D'accord, c'est beau, effet de lumière et tout. Le ciel, il est vachement photoréaliste. Bon, d'ailleurs, le ciel, ouais, c'est photoréaliste, hein, ça se voit direct, hein. Effet de lumière, tout, nickel, bien. Mais par contre, les gars, hé. Oh. Mad Max, je veux bien, quoi, d'accord. C'est bon, c'est tout ce qui est affiché à l'écran. Voilà. Bon, à mon avis, je pense pas qu'il faut un PC de compète pour faire tourner le jeu. Je pense pas, franchement. Même en ultra. Y a pas non plus... Enfin, après, je sais pas. On débute le jeu, j'ai pas vu s'il y avait des grandes villes ou quoi. Mais là, tout de suite, maintenant, y a pas grand chose à afficher à l'écran, quoi. C'est un petit peu désertique, j'ai envie de dire.
Bon, après, me direz-vous, c'est Mad Max. C'est l'univers post-apocalyptique, c'est désertique, c'est normal, on est dedans. Voilà, on va bien voir. J'aurais pas cassé son béguin, non, des fois. Ah non, c'est bon. Allez, vas-y, là. Putain, comment que c'est noir là-dedans. Ah ouais, ok, d'accord. Impeccable. Ah, la cachette de Shubunket. Ok. Plutôt sympa, sa petite cachette à Shubunket. Bon, bah, ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va s'arrêter ici pour la découverte test de Mad Max. Donc, franchement, je suis pas déçu pour l'instant. Ça promet un bon jeu. Moi, je suis plutôt pour le faire en live avec vous. Si ça vous dit, vous mettez un petit commentaire dans la vidéo. Vous me dites, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et puis, voilà, on se fait ça tous ensemble, à la bonne heure, à la bonne humeur. Et puis, voilà, tranquillement. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde.